Avec les feux de forêt dévastateurs qu'on a connus l'an dernier, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a présenté aujourd'hui un projet de loi pour rendre plus efficace, dit-on, la gestion des sinistres. On va aller rejoindre sur cette question Guy Lafrenière, maire de Lebel-sur-Quévillon. Bonjour, Monsieur Lafrenière. Bonjour. On vous a souvent parlé pendant cette saison historique des feux de forêt. Vous l'avez vécu pas à peu près, vous. Qu'est-ce qui vous a manqué l'été dernier? Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été plus difficile? Oui, c'est évidemment, au mois de juin, il a manqué de la pluie, là. Ouais. Mais oui, c'était difficile quand même. Je parle de vous personnellement, dans votre rôle de maire. Oui, oui, on avait des gens quand même qui nous soutenaient, là. T'sais, on dit... On veut toujours avoir plus, mais c'est surtout, il y avait des feux partout. Fait que quand j'ai vu dans l'annonce aujourd'hui qu'il y avait aussi, on prévoit une équipe de réserve d'intervention d'urgence en sécurité civile, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'on en aurait eu besoin l'an passé, mais effectivement, c'est de quoi qu'on n'avait pas avant. Ça n'a jamais arrivé, je crois, au Québec, autant de feux en même temps. Mm. Fait que tout le monde était débordé. Fait que c'est cette équipe-là de réserve, je suis content d'en prendre ça. Parce que en 2023, c'était chez nous, mais dans les années à venir, ça peut être n'importe où, malheureusement. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Avez-vous été consulté par le gouvernement pour voir comment il pourrait mettre en place des choses pour mieux vous appuyer en cas de sinistre? Non, pas moi, mais il y avait eu des réunions en novembre sur les feux de forêt à Québec que malheureusement, je ne pouvais pas y être. Donc, peut-être que ça a été discuté là, mais moi, personnellement, je n'ai pas fait de recommandation encore. J'ai une réunion demain, le premier, c'est feux de forêt, avec la ministre Maïté Blanchette-Vézina. Mais le projet de loi aussi que j'ai aimé aujourd'hui, là, c'est qu'on a un pouvoir réglementaire pour le municipal pour que les usines sur leur territoire déclarent toutes les matières dangereuses à proximité de leur ville. C'est une chose qu'on n'avait pas et qu'on a dans la nouvelle loi. Mmh. On en savait des produits, à marquer qu'on en savait, là, il n'y avait rien de caché, mais ce n'était pas l'obligation de le déclarer. Je pense que ça aussi, c'est une bonne chose. Fait qu'espérons que l'avenir va être meilleur sur les feux de forêt partout ouais. Au Québec. Oui, le ministre a dit, et je pense que ce que vous nous dites, c'est dans cette foulée-là, que les municipalités vont être les premières autorités responsables de la protection des personnes et des biens sur leur territoire, vont devoir également avoir un plan régional, les municipalités ensemble, de ce que je comprends, un plan de résilience, un plan de sécurité civile. Mais je me posais la question, est-ce que vous avez les ressources pour arriver à donner tout ça, à faire tout ça? Non. Non, on s'est débrouillé quand même très bien chez nous avec la petite, vraiment pas beaucoup de monde. Mais plus que le dossier grossit, plus que ça prend du monde avec les compétences qu'on a besoin. C'était pas toujours évident, là. On a fait ça pendant les 18 premières journées à 3 personnes. Mais oui, on avait la sécurité publique, la sécurité civile au téléphone, là. Mais c'était pas nécessairement toujours évident. Mais c'est sûr que quand on rajoute des lois, on donne plus de pouvoir au municipal, mais il y a plus de travail également qui vient au municipal. On est des villes comme Lebel-sur-Quévillon de 2 000 de population. Je n'ai pas la même chose qu'une ville de 50 000 de population en frais de main-d'œuvre. Mmh. D'où l'importance, j'imagine, d'un regroupement régional là, pour qu'on puisse s'épauler les différentes municipalités entre elles. Oui, effectivement, si on y va régionalement, on est beaucoup plus fort que seul. Puis c'est déjà ça qu'on a fait beaucoup en juin. On s'est aidé beaucoup à Chapais, Chemogamau et Matagami. Mm-hmm. Malheureusement, Chapais, Chemogamau étaient aussi en feu. Fait qu'on avait le maire de Matagami qui nous supportait pas mal, là, mais finalement, c'était difficile à cause qu'on était tout ensemble. Normalement, s'il y aurait eu juste nous ou juste n'importe qui, un autre, on aurait été plusieurs pour y aider, sauf que là... On était plusieurs dans le même problème en même temps, là, malheureusement. On verra comment tout ça va s'arrimer. On va espérer que vous n'en ayez pas besoin de tous ces plans de résilience, de sécurité civile dans l'avenir, évidemment. Merci beaucoup, M. le maire, d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci. Au revoir.